Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu Hélène hier au téléphone, ça y est, elle peut un petit peu parler au téléphone, je suis trop contente. Et on lui a trouvé la maquette Magic Book, donc ne cherchez plus, ça y est, c'est bon, c'est fait, je suis trop contente pour elle. Voilà. Et ben moi, j'ai commencé la mienne. Et oui, il y en a qui m'ont demandé si je pouvais un petit peu en vidéo. Ben ouais, moi j'adore ça, alors ça me dérange pas. Hein. Je me suis un petit peu avancée et je vous explique tout. Allez, je vous descends. Alors, vous aviez une plaque de mousse hein, comme ça. Hein. Je vous explique. C'est pour confectionner les petits livres qui sont là. Faites attention. Parce qu'il y en a certains en bas qui vont sur des plaques de bois, pas sur de la mousse. Hein. Alors vous voyez, j'en ai déjà fait pas mal. Bah oui, hein, ça prend un peu de temps. Hein. Donc il m'en reste à faire avec vous. Je vais en faire un ou deux, je les finirai tout seul. Et sur le côté, on vous donne les mesures de la mousse à couper. Alors ne vous trompez pas trop parce que la mousse, vous serez sinon riquérac. Hein. Oui, vous ferez riquérac. Hein. Donc pour la deuxième partie qui est là, il vous faut 1,4 cm sur 2,1 cm. Alors moi je fais pas comme ça, non je fais pas comme ça. Donc je prends mon livre, je fais des petites pliures hein, pour la tranche, mais léger, vous voyez, très très léger. Je n'insiste pas sur le pli. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Je prends ma mousse, hop, je la mets, je la colle. Je vais vous montrer. Hop. Et pour coller les petits livres, j'ai pris de la Testiglue de chez Action. Parce que bah, j'ai vu que ça marchait bien. Et comme c'est de la mousse, voilà. Hop, on le colle. Moi, je le colle. Après, la colle là, elle devient transparente. Hein, donc, c'est pas grave. On le place bien correctement. Si on place bien correctement. Attendez, je regarde dans quel sens. Ouais, c'est ça. Regardez bien le sens de votre livre. Hein. Hop, une fois qu'il est collé, je viens découper à ras. Oh, il a bougé. Hop, à ras du livre. La petite mousse, ça se découpe super bien. Voilà. Et vous avez votre petit livre. On replace bien tout ça. Voilà. Hop. Vous voyez? Et puis bah on les fait tous comme ça. Hein. Voilà. Bon, moi il m'en reste quelques-uns à faire. Je les finirai après. Alors sur une bande complète de mousse, voilà, pour les plus grands livres, j'ai réussi à en coller 10. D'accord? Et une fois que vous aurez collé tous vos livres, il ne va pas vous rester grand-chose. Alors surtout ne vous trompez pas. Hein. Non, ne vous trompez pas. Parce que sinon, ça va être le bazar après pour les confectionner. Hein. Et après, enfin, il nous reste 2, 4, 6 livres tout en bas, là. Il va falloir venir les coller sur des petites planchettes de bois. Et ici, c'est 3. Alors, les petits livres. J'en ai 4 ici. Ensuite, j'ai celui-là qui est là. On va le couper tout de suite. Le C27. Bon, sur cela, c'est beaucoup de collage. Hein. Ouais, beaucoup de collage. Alors, et le 7-9. Alors, le 7-9, il est où? Il est où? Il est là. Hop, je vais le couper tout de suite aussi. Attention, il n'y a pas beaucoup de marge. Faites attention. Hop. Hop. Je voulais la faire toute seule hein, dans mon coin, vous la montrer une fois fini. On m'a dit, oh, s'il te plaît, tu peux faire quelques tutos, s'il te plaît. Bon. Alors, pour ces livres-là, il nous faut les petites planches C3. Alors, on cherche dans nos boîtes. F. G. Ça. Alors, est-ce que c'est ici? Non, c'est les H. Voilà, ici. Alors, les C3, ils sont là. D'accord?
Donc, comme d'habitude, hein, il faut venir les enlever. On en a besoin de 6. Ben, il y en a 6, hein, de toute façon. Oh, bah, ça se décolle bien. Ne vous inquiétez pas, c'est l'entourage. Hein. J'ai à peine poussé. Ils se sont enlevés. Voilà. Pareil, normalement, dans la petite... il est où? Il est où, le petit sachet? Il est où? Oh, ça commence bien. Ah, il est là. Dans le petit sachet, on a un gratte-gratte pour le bois. Donc, hop, vous voyez? C'est pour faire les angles, si au cas où il y a des picots. Hein. Bon, ça, vous savez, à force. Ouais. Pas tous, hein, mais quelques-uns, des fois, font que... Alors, on les retire, hein, tranquillou, voilà. Ça, c'est pareil, je vais en coller un avec vous. Et le reste, je le ferai hors caméra. Donc, on prend le C27, par exemple. Non, le 6-27, pardon. On découpe bien à ras. Hop. Hop. Pas qu'il n'y ait plus qu'il y ait de blanc, hein. Ah oui, c'est normal, c'est normal. Hop. Voilà, on prend une petite planchette. Ah, encore un petit bout là. Hop. Et attention, collez-le bien dans le bon sens. Et on va venir le coller sur la petite planchette de bois. Hop, allez, tout simple, tout simple, tout simple. Alors, ça va être des livres, il y en a beaucoup à faire, hein. Donc, ça prend un peu de temps, ouais. Mais en regardant la télé, bah, voilà, ça se fait, hein. Ça se fait, ça se fait. Hop, et voilà. Alors, on attend ça. Faut bien le placer, surtout. Voilà, et vous voyez, sur les petites planchettes. Donc, vous en aurez 6 comme ça à faire. Moi, je vais les mettre de côté. Je continuerai les autres après. C'est la même chose, ça ne sert à rien de... Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Après, il va falloir faire des petits tableaux. D'accord. Donc, pour les petits tableaux, il nous faut l'image. L'image. Alors, je cherche déjà. Bah oui, hein. Bah, il faut chercher. Hop. Alors, il va nous falloir 8,42. Donc, 8,42, c'est le petit cadre qui est ici. 8,45. Celui-là. Après, c'est marqué quoi là? 5,3. Alors, 5,3. J'ai pas la plaque. J'ai pas la plaque. 5,3. Il est où le 5,3? Oh, puis c'est embêtant ça par contre. Pour les sortir de la boîte, les papiers. Alors, ça c'est le 4. Vous regardez sur vos feuilles, c'est marqué en bas. Hein. Oui. Alors le 5,3, il est là. On va prendre la page. Voilà. Hop. Alors. Il nous faudra, j'ai dit quoi, le 5,3 et le 5,2. Alors, 5,2 et 5,3. Alors déjà, on va détourer ces 4-là et on se retrouve. Hein. Oui, à tout de suite. Voilà, une fois que c'est détouré, nos 4 éléments sont là. On vient chercher les petites planchettes de bois. Donc, c'est 7. Une toute petite qui est là. Allez. Voilà, hop, D2, D3 et D4, ah ben, D2, sur une autre planchette, hein. D2, D3, ben, c'est facile à reconnaître, hein. Et, non, D4 celle-là, et D3, c'est la grande carrée, voilà, on va le brancher flac. Et puis, on va venir confectionner, simplement coller nos tableaux sur les plaques. Vous voyez, tout simple. C'est vraiment tout simple. Donc, j'en fais un avec vous, pareil. Après, je finirai
les trois autres. Je voudrais pas faire 50 vidéos pour cette maquette là. Je sais que vous aimez bien, mais bon, voilà. Hein. Hop, voilà, peu importe dans le sens que vous le mettez, puisque ça va être collé au mur. Hein. C'est quand il faudra le coller au mur, il faudra le mettre à l'endroit. Hein. Oui. Hop. On a notre premier petit tableau. Allez, je colle celui-là. C'est un beau bateau. Voilà. Hop. On le met bien, on le place bien. Et voilà notre deuxième petit tableau. Et on fait pareil pour les deux qui restent. Et puis ça sera très très bien. Alors moi je les mets à côté de moi. Je les ferai après hors caméra. Ensuite ils nous disent quoi? Alors ils nous disent de prendre 8,46 et 8,47. Alors 8,46 et 8,47. Alors ça c'est pas les 8, si. Ah non, c'est les 6. Ah bah oui. Alors 5. 7. Il y en a une qui a dû se glisser. C'est les 7. Et la 8, elle est là. Hop. Alors, c'est des tout petits petits portraits là. Il va falloir découper les deux et prendre G10. G10, normalement il y en a deux. Alors, G10. Faut chercher dans les plaques en bois. Hein. Oui, F, hein, c'est pas ça. Ensuite, E. Alors, ça c'est C. H. I. Ça c'est D. Bon. Où est ma G? F. Non, mais qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Ah, ça doit être celle-là. Ouais. Vous voyez ça? C'est les plaques G. Et il nous faut les deux G10. Les deux G10, elles sont là. Les deux petites, là. Donc, on détourne les deux petits cadres. On enlève les petites plaquettes de bois. Et on colle les petits cadres dessus. Et après, il faudra prendre G11. G11, elle est où? Bah, G11, c'est ça. Les deux petites choses, là, pour mettre derrière, vous savez, pour faire un cadre posé sur un meuble. Hein, d'accord? Voilà. Donc, on prend ces deux plaquettes-là, les deux petits pieds, on détourne les deux petits portraits, et on se retrouve. Alors voilà, j'en fais un avec vous. Donc on prend son petit cadre. On met de la colle. Bah oui. De la cocolle. De la cocolle. Hop. On met son petit image. Son petit portrait. Voilà. Hop. Hop. Que ce soit bien droit. Hein. Des fois les papiers sont un peu trop grands. Hein. Moi, je viens les rectifier une fois que c'est collé. Oui, une fois que c'est collé, je viens les rectifier. Voilà, comme ça. Parce que des fois, bon, il faut que ça soit un peu grand que trop petit, vous allez me dire. Hein. Ouais, oui. Voilà. Ensuite, alors, le petit pied, comme ça, il est biseauté, comme ça. Là, si vous voyez. Alors, on va coller un biseau sur le cadre derrière, comme ceci. Un biseau sur le cadre. Si, attendez, parce que là, vous ne voyez rien. Le cadre, le biseau, venir se coller comme ça, dessus. Hein? Bon, attendez, je le fais. On va mettre un petit peu de colle sur le biseau. Voilà. Hop. Après, il faut bien gérer parce que bah, il faut qu'il reste, qu'il puisse se mettre debout. Hein. Et ça, c'est le truc vraiment
Je suis pas mal, mais je suis pas au milieu. Allez, quand tu restes à coller à moi, coller là. Ah. Alors, il veut pas se couler. Non, il veut pas. Mais alors, c'est pas possible ça quand même. Couler? Oh. Voilà, oui, ça nous donne à peu près ça. Mais faites attention qu'il soit bien quand vous le posez, en fait. Hein? Ah oui, il faut qu'il soit... On puisse le mettre sur une table, je sais pas où il va exactement. Hein? Mais... Ah, oh, ben c'est pas possible. Oh, ben ça va pas, dites. Voilà. Oui, parce que si je le pousse trop, il se colle. Au truc, voilà. Alors, vous le mettez bien. Placez votre petit pied derrière et de manière à ce qu'il tienne debout, hein. Moi j'aime bien quand c'est bien bien mis, voilà comme ça. Oui. Donc ça nous donne ceci. Donc on fera le deuxième. Il faut faire le deuxième, pareil. D'accord? Moi je le laisse sur le côté. Hop. Je rassemble tout. Je le ferai hors caméra parce que c'est la même chose. On va pas faire. Ensuite, alors, ils nous disent qu'on va faire une petite, un petit pot comme ça. Okay. Un petit pot, comme ça, là. Et qu'il nous faut. Alors, on va chercher ces feuilles déjà. 7. Oui, le bazar, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, il faut tout pour ma part. Hein. Alors, il faut 7, 5, 7, 6 et 7, 7. Donc, c'est ceux-là. Hein. Les trois qui sont là, il faut les découper. D'accord? Et il nous faudra 8,35. 8,35, ça doit être celui-là. Voilà. Et ceci, la barre, là. On découpe ces quatre-là et on se retrouve. Voilà. Une fois que tout est découpé, donc la bande-là, il va falloir la plier en deux. Alors moi, je vais mettre un peu de colle. Si, il faut la plier en deux. Si! Voilà, hop, on la plie bien en deux. Moi, je vais mettre un peu de colle. Parce que sinon, après, ça va s'ouvrir. Et ça fera pas joli, joli. Non. Voilà. Alors, je vais prendre un petit chiffon quand même. Bah oui, je vais prendre un petit chiffon. Hop. On la colle bien. Je vois qu'il me reste un bout de blanc là que j'ai pas retiré. Bah ça c'est pas grave. Hein. Allez hop. On vient l'enlever. Et voilà. Comme ça. Là aussi, il me reste du blanc. Bah alors. Qu'est-ce que j'ai mal découpé, hein? Ouais, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, alors moi j'ai pris mon plioir et je vais venir former un peu le papier en arrondi comme ça. Et j'ai pris un crayon, tout simplement, hein, pour qu'il soit bien rond. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il soit bien rond. Hop, voilà. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Il faudra découper le tout petit rond là. Oh là là, moi j'aime pas découper les ronds. Oh, c'est pas mon truc les ronds. Non, c'est pas mon truc. Bon, c'est pas grave. On va le faire quand même. Hein. Ben, on est obligé. Si, on est obligé. Hop. Je sais, on m'a dit tourne le papier en même temps. Alors je le fais. Mais c'est vrai que. Il sera pas très rond. Hein. Non. Pas grave, hop, voilà, on découpe le petit rond. Ah, voilà, hop, et ça c'est pareil, on va venir les rouler.
Si, on va bien les rouler. Alors, on les roule dans quel sens? Comme on veut, hein? Non, pas comme on veut. On prend bien en face, bien à l'endroit, hein? Et puis on vient faire des petits rouleaux comme ça. Hop. Petit rouleau, tout simplement. Hop, celui-là. Dans quel sens? Comme ça. Hop, on vient faire des petits rouleaux. Hop, deux. Donc on en a deux. Et le troisième, pareil, on le prend dans le bon sens. Et malgré qu'on ne les verra pas, hein, mais c'est pour le fun, hein, c'est pour faire bien, hein, les choses. Bah oui. Allez. Hop, hop. Voilà. On fait trois petits ronds. Ensuite, bah, ça, il va falloir le coller. Hein? Bah oui. Hop, alors on met un petit point de colle. Hop. Et faut venir le coller l'un sur l'autre. Là, par contre, je pense qu'il va falloir attendre, hein, que ça colle. J'essaie de le mettre quand même bien, mais pas trop. Soit collé l'un sur l'autre, mais pas non plus. Voilà. Parce qu'après, il va falloir qu'on rentre nos trois petits rouleaux dedans. Hein. Oui, voilà. Vous avez compris, quoi. Hein. Oui. Alors, un côté ça va, l'autre côté ça va moins bien. Alors, on va attendre que ça colle un peu. Ensuite, une fois que ça sera collé, on viendra coller le petit rond noir dessus en dessous, hein, comme ça. Et puis on viendra mettre nos trois éléments dedans. Hop. Quand il est collé plus, ouais, voilà, comme ça. Alors on va voir pour coller. Après vous choisissez le bord le plus joli pour mettre en haut. Hein? Bah oui, vous choisissez. Est-ce que j'ai assez de place pour mettre mes trois rouleaux? Parce que je l'ai collé là. Oh, je pense que oui. Hop. Ensuite, on vient mettre de la colle. Mais bon, ça serait peut-être plus prudent d'attendre que ça soit bien collé, là-bas, n'est-ce pas? Je ne sais pas. On va mettre de la colle sur le bord là. Hop. Ça. Et on vient le poser sur son petit rond en dessous pour fermer notre petit pot. Tout simplement. Voilà. Bon, maintenant je vais laisser coller moi. Bah oui. Comme ça. Ça, le problème, faut pas trop le titiller, hein. Voilà. Donc on va les serrer un petit peu plus. Donc les bien les enrouler, mais un peu plus fin, que tout rentre dedans. Hein. Bah oui. Voilà, on en met un. Hop, on les reroule encore une fois. Voilà, hop. Et le troisième. Apparemment, il y en a un plus petit que les autres, mais voilà, comme ça. Ça va nous donner ceci. Tout simple. Bon, après, je reviendrai détourer moi autour de mon rond là, quand ça sera bien sec. Hop, on le met de côté. Ensuite, ils nous disent de faire ça. Bon, ça va être le même système, hein. Je le fais hors caméra. Vous découpez vos trois images, vous les mettez en rond. Et on a une petite cordelette dans ce sachet-là. De toute façon, on n'a qu'un sachet. Hein. On a une petite cordelette là. On viendra entourer nos trois ronds. Hein. C'est simple, je ne vais pas le faire avec vous. Ensuite, c'est quoi ça? Le 8,39, faut le couper. Ah oui, c'est pour faire une enveloppe. Ah oui, d'accord. Alors, là. C'est juste du découpage à faire. Hein. Donc ça va nous faire un porte-papier. On découpe la petite enveloppe et les trois petits papiers.
et ça doit aller dedans, et voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est bon. Alors, la petite bougie, ils nous disent quoi pour la petite bougie? Ah, ils nous disent de prendre 6,31. Attendez, je regarde. Alors, 6,31, c'est le petit blanc qui est là. D'accord? On va le découper. Après, prendre K10. Alors, K10, c'est quoi ça? Est-ce que c'est pas un bout de fil électrique, par exemple? Je ne sais pas. Alors, comme je ne sais pas, je retourne à mes éléments, là, au début. K10, c'est ça, 4 cm. Alors, il doit être dedans, je pense, dans le sachet. On va regarder. Et on va regarder. Attention, il y a des petites vis dedans. Hein. Alors, ça, c'est le boîtier pour le courant. Ça, c'est la petite ficelle que vous aurez besoin pour assembler les trois petits parchemins. Ça, ah, oui, il est là, je l'ai vu. Ah, ouais, c'est tout petit, hein. J'arrive à l'attraper. K10, c'est ça. De 4, vous avez un bout de 4 cm à peu près. Hein. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Non, Titi. Couche dans ma maquette. Dans ma boîte. Alors, on retourne à sa page. Et là, il faudra découper donc, le papier que je vous ai dit. L'enrouler autour du fil de fer qu'il faudra couper à... ils nous disent pas 1 cm. Hein, ça, vous en coupez 1 cm, vous venez entourer votre papier blanc autour. Alors, K8, K6. Alors, pareil, c'est les petits éléments qui sont dedans, là. Je vous montre. Hein, et puis je le ferai hors caméra, puis je vous montrerai. Hein, je ne vais pas tout faire encore avec vous. Parce que toutes les maquettes, c'est le même principe. Hein. Ouais, c'est juste pour le plaisir. Hein. Alors, ça, je pense que c'est K6. Il faudra celui-là. Et c'est un espèce d'œillet, en fait. K8, un œillet. Il est où l'œillet? Il est là. Après, je comprends pas. On dirait qu'il y a un truc. Ah non, 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 non. Alors, vous prenez K6. Ma belle petite pièce là. Et l'œillet, il sera collé dessus. Pour vous faire le bougeoir. Et après, la bougie viendra se coller au-dessus. D'accord? Hein? Donc, je vous dis, je ne le fais pas avec vous. Je vous le montrerai une fois que moi, je l'aurai fini. Mais si vous suivez bien le guide, franchement... n'aurait pas de problème. Hein. Je vous explique un peu. Moi, je les ferai hors caméra. Puis, je vous montrerai. Pour les plumes, hein, c'est pareil. Alors, pour les plumes, on a le petit dedans, là. On a une petite perle. Comme ça, ça sera le plumier. D'accord? Pour faire les plumes, là. Vous avez le plumier. Après, vous venez découper vos plumes qui sont sur le papier. Ouais, c'est les 6,28. Et comme on a 4 plumes, ben vous en collez une sur l'autre pour vous en donner 2, en fait. Hein, ça, c'est tout simple. Celle-là, c'est pareil. Hein. Alors, il faudra prendre une autre petite pièce qui est là-dedans. Ici, celle-ci, en espèce d'étoile, comme ça. Voilà. Une espèce d'étoile, pareil, vous découpez votre plume l'une sur l'autre. Vous prenez un petit bout de fil de fer de bougie là, hop, qui fera 1,5 cm. Vous la collez, vous collez votre papier dessus, vous découpez et hop, vous avez votre plume. C'est simple. Là, c'est pour que vous fixionnez des petits livres, vous les découpez, vous les pliez en accordéon. D'accord? Et ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil, c'est à découper. Hein. Donc là, vous avez une petite image à découper. Vous avez la petite planchette de bois, vous collez dessus. Et pour les bougeoirs, c'est pareil. Hein, c'est que du bois et des images à coller, hein, tout simplement. Et le sablier aussi. Hein. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vais confectionner tout ça. Et puis, la prochaine fois, je vous montrerai. Et on passera à l'assemblage des meubles.
D'accord? Parce que bon, on va pas rester là-dessus pendant des heures, ça sert à rien. Vous avez compris le principe, quoi, hein? Donc, à votre colle, à vos bouts de bois, à votre ciseau, et puis allez-y, foncez. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, mes amis. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!